capable ba nous quelques grands points que Jean-Robert pral aborder avec nous. Nous connaissons que jodi à ce 31 mai, c'est pratiquement le dernier jour dans mois et demain c'est 1er juin, donc c'est pratiquement et saison cyclonique là qui a commencé et dans le pays d'Haïti, il fait une cérémonie conseil et présidentiel transition lui-même il fait une cérémonie spéciale et pour être capable de marquer moment et pour être capable de décréter la permanence pour Haïti en général qui victime en pile de catastrophes naturelles pour être dans quelle mesure que pas capable préparer parce que dit dans le pays nous attention, pas capable. Donc merci pour tout le monde qui branché, bien que nous pas prêt en pile, parce que c'est seulement on a faut paraître pour le bon grand pour eux. Et puis pour nous aller, parce que Jean-Robert Philippe va venir dans un petit moment. D'abord, gros point cap dominé l'actualité, c'est définitivement décision que un jury de 12 membres y prend pour y condamner ancien président Donald Trump pour 34 chefs d'accusation qui étaient gagnés dans la question de falsification de documents. Donc, origine procès, c'est pendant campagne année 2016, là, le que ancien président Donald Trump était en face Hillary Clinton, qui était un candidat démocrate. Eh bien, tu as gagné une fille qui t'a semblé, ou bien qui était en relation amoureuse avec l'ancien président Donald Trump, en parlant de Stormy Daniels. Eh bien, il t'a balé 130 000 dollars pour lui acheter silence là, dans le yon façon pour pas pour pas révéler activité amoureuse que l'était gain avec en 2006 donc 10 ans après donc et question ça t'est venu et li tourné li hanté président côté que et ben gon gros et pour ça qui fait pendant 6 semaines yo parlé de sexe yo parlé de l'argent yo parlé de politique yo parlé de fiscalité yo parlé de document comptable parce que ça est reproché ancien président c'est que il t'a falsifié les cahiers comptables pour être capable de montrer que eh bien comme ça que l'alba est avocat en parlant de Michael Cohen eh bien c'est un cob qui fait partie de campagne électorale là. Donc ça veut dire que il violait plusieurs causes. Premièrement acheter silence au monde c'est déjà un problème. Et puis falsifier documents, c'est un problème qui a un rapport avec la loi électorale. Donc il y a 12 membres jury ça yo, yo même yo prend décision pour 34 chefs d'accusation. Faut nous noter tout que selon spécialiste en droit yo, yo te besoin toutes les 12 membres du jury pour être capable joindre une condamnation finale pour accuser en parlant de Donald Trump. Et joindre tous les 12 joignent coupables pour 34 chefs d'accusation. Ça arrivait dans tribunal ça côté que jury au tap était dans 15e étage et c'est tout à coup parce que dans le moment que nous-mêmes n'a suivre procès à délibération a fait tu gain 2 jours de délibération qu'a fait nous connaît procédure là premièrement gain avocat défenseur qui était gain yo même 3 heures temps pour te parler 5 heures temps pour procureur c'est moun qui a accusé et Donald Trump et puis avocat défenseur et après ça il y a 2 jours de libération avec jury et puis finalement il est tombé dans causer ça réaction rapide qui fait et notamment gagné concerné à lui-même en parlant de Donald Trump lui-même il dit que vrai verdict là c'est pas hier qui était 30 mai vrai verdict la police c'est le 5 novembre police c'est peuple là qui prend le verdict là à travers élection présidentielle qui gagne pour faire 5 novembre 2024. N'a comprendre que nous-mêmes comme journalistes nous information que nous bail parce que nous pas faire toute analyse yo, parce que gon paquet technicalité et juridique qui gagne la donne qui empêchait que n'importe profane pas vraiment opiner sur. Mais gagne information qui dehors premièrement qu'on y a les jurys qui gagne 12 membres la donne fin prend décision ça, y aurait mettre li bail juge one matcher. Won Merchant lui-même l'a gagné jusqu'à 31 juillet, jour cap 11 juillet peut-être, pas peut-être, 11 juillet l'a gagné pour le bail sentence finale là. Est-ce que l'a condamné parce que il y a possibilité pour ta condamner pour passer 4 ans en prison, mais il dit tout gagné alternative. Ça veut dire que il a droit en lieu place d'incarcération classique,
mais il y a une possibilité pour faire autre chose là-dedans, il doit à résidence surveillée et l'autre. Donc, nous quittons ça, nous apprenons de voir, c'est 11 juillet à côté que le juge Metchon lui-même l'a gagné pour lui. Merci. Faut dire que nous avons Valérie au service sur place, nous avons pile système de sécurité à là, et puis nous avons l'heure où nous avons le résultat, nous avons petit Donald Trump là, Eric Trump qui était avec lui. Et nous avons pile réaction rapide parce que nous avons dehors, nous avons fanatique et ancien président, et puis nous avons monde qui était contre lui. Tout. Moun fanatique yo di bon yo même yo bien content, moun ki fanatique comme si ki pas fanatique yo bien content, moun ki fanatique yo fâché parce que tankou président ancien président toujours dit, il dit que c'est yon chasse aux sorcières, c'est une persécution politique qui fait que yo fait ça. Et il prend la parole jodia, il prend pas parole jodia dans New York côté que il dit même baga là. Li parlait de Michael Cohen qui était un gros témoin dans procès ça. Michael Cohen qui était avocat et yo té le fixeur, lui même tout dit que il parlait Michael Cohen fixeur, c'est un avocat qui était en bonne et due forme. Et c'est Michael Cohen qui était bail Stormy Daniels et $130,000 et après le président rentré dans la maison en 2017, eh ben yo té arrangé quoi yo, eh ben yo fait que monsieur rejoigne $130,000 et tout ça. Donc dans le cadre de réaction et donc président ancien président parle jodia côté que il dit que c'est ça pas un procès du tout, c'est une honte tant que speaker of the house là Mike Johnson dit c'est une honte, gain réaction qui sorti bord républicain, gain réaction qui sorti bord démocrate. La maison blanche dit comme ça que procès a tout simplement montré que pas grand monde qui sous tête la loi. Tout le monde fait pour respecter la loi et c'est ça pour ça a dit et eux-mêmes ils respectent la justice, eux-mêmes ils baguent trop bail pour faire. Gain dans équipe président Joe Biden là, lui-même qui eux-mêmes ont dit bon et eh ben c'est la justice, ils ont pas gain trop et causé pour eux dit non bagala il dit et c'est un coup équipe Joe Biden là il dit nous ouais jodia dans New York que pas gain un monde qui sous tête et la loi, c'est ça porte-parole campagne et réagi pour le dire. Il dit que de toute façon, de manière, il dit que Donald Trump, lui-même, meilleure façon pour qu'il ait dehors, toute cause ça, eh bien, ça c'est un monde qui est dans la campagne, porte-parole campagne, Joe Biden, qui dit que, puis bon ça pour nous faire, c'est ce qu'on appelle l'ivoire et l'électeur. Il dit que c'est Kembe, Donald Trump, hors de la Maison Blanche. Donc c'est un appel électoral. C'est ça, c'est M. Michael Tyler qui fait. Qui fait déclaration ça. Et puis gain Michael Cohen tout réagit tout. Monsieur dit avocat personnel, ancien avocat personnel, ancien président et Donald Trump, il dit il salue juge dit ça qui sont jour important pour état de droit aux États-Unis. Il dit son jour qui très important le fait que eh ben yon moun vin rendre compte devant la justice pour ce fait qui pas bon, bien que lui-même il dit que en tant que témoin, en tant qu'ancien avocat, ça était difficile pour lui, difficile pour famille. Et puis rapidement, n'a dit que jodi a président Joe Biden lui-même il prend la parole parce que il était gain pour te sorti Dover dans base militaire Dover, sorti Delaware pour entrer Washington et côté que il t'a parlé de situation dans région Moyen-Orient et demandé à Hamas pour l'accepter proposition que fait là. Mais en attendant, l'armée Israël continue à pilonner Rafah et gain médecin qui lui-même il prend la parole jodi a qui se porte-parole gouvernement Itaïboya pour dire que eh bien, ils ont tué 300 terroristes palestiniens dans Rafah pendant ce temps de pile levé qu'on peut faire à travers le monde contre ce qui a passé dans Rafah. Et puis, il y a les États-Unis qui permettent que l'Ukraine qu'on a utilisé des armes que le pas d'accord, mais pour être capable d'attaquer le territoire russe là, mais avec condition que n'ont pas dépassé Kharkiv. Ça, c'est un lot. Et puis, nous, l'autre, n'a pas les rapides, n'a pas dit que le Mexique sur route pour gagner une femme comme candidat, parce que d'après sondage, deux mouns qui sont en tête sondage, c'est deux femmes. Et puis Gary Conin, qui est premier ministre officiel pays d'Haïti, il voyait une vidéo hier soir pour parler de dans quelles circonstances que la propre pays a. Il parlait tout de l'aide des premiers ministres, il parlait tout de l'elga de tout le monde qui était dans l'IS pour être venu premier ministre. Il dit que c'est avec beaucoup d'humilité que lui-même l'a accepté. Prend pour ça et il croit que c'est parce qu'il croit que la brune appuie, il croit que la brune en pile monde qui est capable
poté coller avec elle pour capable et me faire face à la situation que le pays a vu journée jodia. C'est ça qui fait tout simplement que lui accepter et l'accepter que dans un moment là il t'a fait et présenter adresse là que lui à l'étranger parce que il était dans voyage pour travailler dans les Nations Unies et qu'on y a la préparé pour l'entrée dans le pays pour le capable et venir et ouais et ça le capable faire pour payer. Donc en gros c'est ça me devait voir avec nous. Première nouvelle qui est importante c'est que eh ben ancien président Donald Trump lui condamné pour 34 chefs d'accusation qui gain pour avec falsification document dans procès Stormy Daniels ça qui c'est un vedette porno qui était dans une relation amoureuse bouboutage avec lui en 2006 et en 2016 dans pendant campagne électorale là il a acheté silence pour pas te parler et puis n'a pas gagné réaction monde dans la rue réaction officielle réaction qui sortit la Maison Blanche réaction qui sortit bon côté démocrate bon côté républicain n'a pas gagné tout ça après-midi là dans rendez-vous info que Jean-Robert Philippe pral présenter nous et n'a pas une situation en Mexique n'a pas une situation dans région Moyen-Orient et puis donc n'a bon simplement faire ancien président pour une pénalité mais en tout cas ça cap passé qu'on a et c'est gros question ça c'est tout n'a posé et ces questions ça tout puis l'expert dans le domaine élection dans le domaine politique américain dans le domaine loi américaine mais question que vous dites ça cap passé en tout temps mais pas de provision dans loi qui dit que le fait que juge que le coupable et bien pas continuer mener campagne bien sûr capable mais continuer mener campagne entre temps. Et c'est comme ça, et je dis à, en fait, ce président, il était paraît devant et la presse, dans et hôtel, au résidence dans Manhattan, dans Trump Tower, et bien côté que, bon, pratiquement, il passait par tout le monde. Il passait par tout le monde, il dit pas de grand procès, pas de grand procès, grand pile, et tentative qu'il a fait pour faire procès, mais pas de grand procès parce que il pas, bah, la machine à soin, hein, etc. Il pensait que son bail politique qui fait là, etc., son bail fait contre l'homme, etc. Et il a acquisé démocratie, il a accusé même président démocrate avec qui est responsable comme une sorte de persécution politique. Donc, pratiquement, il dit, à la fin, verdict là, lui-même, que l'Apton n'a pu, lui-même, dit quoi que c'est, et, le 4 novembre. En fait, le 7 novembre, les peuples appellent à voter pour élire un président américain, qui est capable lui-même, et qui est capable de bailler président Joe Biden, un autre mandat. Donc, c'est tout bail ça, mais lui exprimer vraiment, et, rancœur, lui exprimer vraiment, et colère lui face à la décision je lui apprends en fait c'est président Trump il pas prêté de l'embaucher pour te dire ça le penser il dit même là que reconnaît que gain une limite dans ça que le cas dit que parole il pas dit mais il dit que lui même c'est dans bataille net donc que ça passer à il dit ça le penser de ça. Donc on y a été pour nous tout le temps en juin. En tant que ancien président il va continuer mener campagne et pour le côté pour lui parler avec électeurs et parler avec supporters de tout. Donc, tu gagnes quelques supporters, tout est devant, car résidence et tout. Tu es venu pour t'appuyer, bah, tout. Mais, n'a dit tout, tu gagnes l'autre monde tout, qui passe supporter lui, et monde ça qui te dit que justice est rendue. Donc, il dit que par les monde qui en dessus, ou bien qui sous-tête la loi. Par les monde qui a tout le monde, c'est monde, la loi faite pour tout le monde, et quel que soit le monde, et ça a monté les États-Unis, quel que soit le monde, quel que soit la puissance, quel que soit la force, quel que soit l'argent, quel que soit la richesse, ou bien, eh bien, au passible devant la loi. Donc, nous va gagner une réaction, pita, dans le journal là, avec Valérie Saint-Louis, avec, qui va parler nous d'abord de, présentation, ou bien encore présence et déclaration ancien président fait devant la presse jeudi, et presse, certainement position supportée du tout. Et nous va gagner une réaction tout, Sandra Le Maire, qui lui-même va chercher réaction pour nous avec officiel américain au membre congrès et la Maison Blanche qui savent que même ils pensaient de toute situation ça de verdict et tribunal là donc nous va venir avec réaction ça entre temps on a parlé surtout que président Joe Biden qui est pour aller à Paris dans l'occasion ça les D-Day les jour J les Américains étaient descendus en Normandie et bien côté que t'as libéré l'Europe et de l'Allemagne nazie et bien c'est pas une visite d'État parce que le président a parti le 5 c'est du 5 au 8
et juin, quand il pourra participer dans ces mesures que chaque année, et le président américain toujours cherche pour le président dans le monde, avec par une visite d'État que le président Emmanuel Macron a accueilli, le président Joe Biden en visite d'État, et puis c'est une occasion, et débarquement Normandie, et qui était faite en juin, en ce moment, juin. Si je ne me trompe pas, c'est le 6 juin. Et les deux à ça été fait. Il y a l'autre point toujours qui est cap de l'actualité à nous parler dans le pays d'Haïti. Il y a le premier ministre et Gary Coni qui lui-même nous a brossé, lui-même que conseil et présidentiel et transition hein, et choisi. Et son non vote 6 contre 6 pour 7, 6 sur 7. Donc, il y a 6 conseillers présidentiels qui étaient votés en faveur. Eh bien, d'après nous, le résultat doué entrer en Haïti dans le jour où Cap Vini là-haut, c'est pas pendant le week-end même. Eh bien, il mettait un message sur compte personnel sur YouTube. Et alors que tout le monde n'a pas attendu que le message soit parlé sous Primature Habito, bon, l'email sous compte personnel. Quand il explique que, mais il est bien content, il dit que il était surpris, il était après une nouvelle là, d'ailleurs, il a participé à une réunion en Antigua, et Babouda, à côté, que une réunion que les Nations Unies, après que M. Gary Coni, c'est directeur UNICEF et régional pour Amérique latine avec Caraïbes là. Donc, il était dans une réunion que la société a fait avec tout l'autre dirigeant, et bien, il est obligé de quitter la réunion. Et bien, monsieur dit, premier avion que tu as quitté Antigua et Barbuda, monsieur Pro, retourne à New York. Quand monsieur écrit, il a démission pratiquement depuis le 28. Et démission, il a tout remis des charges tout par l'autre monde. Et c'est directrice et UNICEF la même qui a fait l'annonce là. Donc, il dit que déjà lui-même il commence à travailler avec membres du conseil présidentiel là et toute l'entité qui est représentant dedans conseil là. Donc, le travail que l'a mettre un gouvernement qui a pour vraiment un gouvernement largement là, un gouvernement représentatif côté du même diaspora à présent dans le gouvernement ça là et il dit que l'esprit que l'a fait bon choix eux qui on y pense mon capable à la hauteur du travail de tâche pour capable remplir mission ça il dit pas grand pile temps qui était et maintenant si ça ça il pourra faire tout ça pour capable réussir dans mission il pas grand pile bail que ça fait d'ailleurs mandat conseil présidentiel a fini le 7 février 2026 et jour que un nouveau président a installé dans le pays d'Haïti, bien entendu, il dit pas le travail qu'on y a depuis qu'on y a pour toute institution démocratique qui est en sous pied. Donc, les prédicteurs, tout la perspective quota est 30%. La constitution dit que il faut que chaque fois qu'il y a un gouvernement, il faut que 30% de femmes là-dedans. Eh bien, bon. Donc, à compter dans le passé, est-ce que 30% de femmes, toujours, est-ce qu'on a 30% de femmes dans le gouvernement passé, yo? Bon, en tout cas, le premier ministre, il dit que lui-même, là, pour expliquer ça, mais il dit que tout secteur a venu, et c'est pas, il va venir avec des jeunes, surtout pour assurer, et aider, assurer intérimement avec réussite. Voilà, c'est comme ça que ça est. Pendant ce temps, il dit qu'il va travailler tout pour que sécurité capable de tenir le pays, pour que conditions capables de venir, pour que capable gain élection capable dérouler. Condition ça veut dire que et en parlant de conditions sécurité et bien il y a monsieur Negamio dans zone Delma dans mon quartier de capitale là bien monsieur il fait la pluie le beau temps monsieur et beaucoup de coups d'âme nouvelle par rapport à quantité monde qui mourit seulement était bah non zone gain 3 monde qui était mort dans matin mais c'est il y a pas connait qui circonstance monde ça était mort donc c'est comme ça journée monde dans quartier ça passé toute journée à tant de coups d'âme que dans cap beaucoup de donc ça veut dire que conditions sécurité qui pour réunir tout pour donc déjà espère yo mon cap sur le dossier pays d'Haïti dit que premier ministre gagne du pain sur la planche il travail pour le faire parce que d'abord premier travail c'est calmer et sécurité et puis mettre la paix et dans le pays pour que activité capable reprendre affaire de zone de l'endroit ou bien encore pour que route soit capable actuellement mon capable utiliser route pour déplacer deux points du nord vers l'ouest et l'ouest vers le sud et vice versa. Gain tout et un autre point qui est censé dominer l'actualité à tous, c'est surtout et par exemple parler de dossier République dominicaine en tout que le premier ministre a dû penser à ça parce que Dominicani considère Haïti comme un
Donc, côté que l'Ivan produit que l'Ivan, c'est pas besoin. C'est ça que je dis. Et bien, je dis qu'il faut qu'il faut quatre pas rebattre en façon pour que Haïti reprenne des droits que l'Ivan et analyser tout ça qui a passé, tout ça qui a monté dans le pays comme produit dominicain qui pour venir alimenter parce que c'est un marché li, que le pays dominicain mettait en pile accent sur le marché ça que le peuple a perdu. Bon, les relations récemment entre ici avec le pays dominicain étaient aux gens venant en mer après soit fait construction canal et sous le massacre là, eh bien, le président Luis Abinader qui joue un autre mandat 4 ans encore pour le DGP et le pays dominicain, eh bien, il était utilisé à Haïti comme un thème campagne électorale, il a été utilisé et il y a le résultat et qui fait que réussit, non? Et il y a quelqu'un d'adversaire. Et puis, il y a une élection au Mexique, tout. Le Mexique parle d'une grosse élection là. Et là-dedans, il y a 3 candidats qui se sont amenés. Parmi eux, il y a 2 filles. Et puis, il y a un garçon, il y a un candidat parti qui est sous pouvoir. Et puis, il y a un candidat parti en opposition. Et puis, il y a un garçon lui-même, tout. Donc, il y a une pile possibilité, selon le sondage, que l'État est très probable que le Mexique est capable de pour la première fois une fille qui pourra le dire, mais encore il n'est que d'attendre, on attend résultat et on attend d'abord élection cap de l'élection campagne la fermer déjà, donc on attend pour nous et on a dit qu'on a déjà depuis la campagne a commencé il y a 22 candidats qui perdent la vie, c'est pour nous dire qui genre que tension a dit wow, au Mexique et là on a parlé de affaires élection et puis qui est l'autre point qu'on a parlé avant, on parle de dossier premier ministre qui est désigné par le premier gouvernement, donc après l'attente. Après là, pour eux, ouais, et puis question de sécurité à tout, et puis voilà. Moi, c'est que c'est là, nous, bon, pratiquement, et nous toutes là, je dis à Sauve Jacqueline qui, monsieur Concourt est là, car il a gardé nous. Bon, nous dit de reposer lui, pour le tourner lundi dans le lit. Et puis jeudi à ce vendredi, donc nous connaissons que c'est week-end. Et demain, c'est la saison cyclone, en tout cas, commencer tout. Donc selon ça que correspondant nous, Emmanuel Dino, il dit autorité prend des dispositions pour que yo préparer population et prend des dispositions pour protection civile tout les mêmes tout pour intervenir et si au cas cyclone t'a frappé Haïti et qui un peu répondre tout réponse que il y a bien plus au bail donc ils sont saison cyclone qui a agité en pile donc en pile va qu'a passer qu'on pas qu'a prédit qui les cyclones n'a frappé qui zone qui côté exactement mais tendance là dans route nous hier sous côté nous dans zone nous hier c'est toujours son zone que cyclone a toujours passé il qui a fait des dégâts qui a fait des dégâts et de le passer avec plus fracas que de le passer à moins fracas. Donc ça veut dire autorité dit qu'il prend des dispositions pour que il fasse face avec situation. Voilà, je dis à ce vendredi, mes amis, c'est week-end. Et profiter du week-end, non, on a salué tous les amis, nous, tous les collègues, nous, quelque chose à côté, vous et Machado, et Tablou, nous, un collègue, nous, Sergio Rodriguez, nous, on connaît que le col pas trop bon. On a souhaité tout le monde pour récupérer, rétablir, etc. Et puis, et soit conduire qu'on n'a pas à consommer l'alcool. Des sous-consommés d'alcool qu'on n'a pas conduit et sous son passager ou pas capable et si t'as nos machines d'homme qui finit consommer d'alcool c'est même bagarre la vie et puis mon ami qui sont groupés ensemble avec moi c'est les anciens du collège frère du Sacré-Cœur qui dit de pas ça seulement il dit que ou pas capable conduit tout et puis pour nos téléphones nous pour tweet ou bien encore pour surf ou bien encore pour lire pour base. Je pense que ça a son autre aspect encore. Ça a été encore distraction. Ça a été distraction plus mal que si vous avez consommé l'alcool et que vous avez conduit la machine. Bon après-midi tout le monde. Je suis là sur la radio, sur la télévision, dans le programme noir. L'établissement de la sécurité dans le pays. Blaise Bisson, comment fait on est avec Laurent Saint-Cyr dans le chantier de sécurité? Bon, je ne sais pas oublier. Madame, mais ça qui gagne, pas oublier, et question insécurité qui gagne là, toute soupçon qui gagne sous le secteur privé des affaires là, et pas oublier que et Laurent Saint-Cyr, dans la responsabilité qu'il gagne dans le niveau conseil là, en plus le monde comme représentant et secteur privé des affaires là. Est-ce qu'il y a un monde qui entend dans Foucault problème là, qui gagne responsabilité dans ce qui a passé, qu'il y a avec question insécurité là, ou cap balle responsable branche de sécurité, est-ce que ça n'allait pas représenter une menace totale pour rétablir la sécurité dans le pays?
Bon, par rapport avec intérêt secteur privé. Ça dit à grand part de vérité, mais comme il dans secteur al kon moun yo tout et ou pas connait c'est pas façon pour montrer que mais plus c'est comme c'est Nadou et ou connait moun kon bagala moun dit que comme ou ka faire mettre faire mais comme ou connait moun ou kon bagala on met en gage que la donne. Est-ce que c'est parce que là obligé metil non réalité parce que li kon secteur là il connaît tout qui va les de reproche faire du secteur que la donne non comme si li connaît tout comment mais je dis pour le montrer que ça va dit des secteurs là il pas ça parce que ça encore tout li gen droit de en façon de même pour la valasse avec l'Estie Voltaire parce que oui l'Estie Voltaire ou garder racine ça gen là jodi an ou pas retirer la valasse ça donne c'est vrai que li vinn prend jarret li vinn augmenter dans niveau ça mais ou pas mettez de côté la valasse ça donne parce que il toujours dit que la valasse c'est comme d'adi c'est lui qui commence bâti mon entité et puis qui vini au PHTK vini et puis bâti mon gros bibon lui même évidemment donc en principe comme deuxième chantier, il y a la conférence nationale et la réforme constitutionnelle. La réforme constitutionnelle et conférence nationale sont chantiers que Edgar Leblanc, le président Edgar Leblanc, et Smith Augustin, conseiller président Smith Augustin, en charge de eux. Mais même là encore, la réforme constitutionnelle, bon, c'est pour me dire, au fond, que c'est tellement important pour moi, la question constitutionnelle. Son bagage pour nous faire le plus vite que possible. Donc, nous serons toujours sur la balle, nous ne pouvons pas négliger rien. Puis, il y a un monde mettant en tête et tout. Bon, son message, il me trouve, au CP, pour le penser que c'est lui-même seulement, pour leur parler de questions sérieuses, pour le parler. Parce que nous-mêmes, nous sommes dans le secteur, nous, débat qu'on fait sur la question constitution. Hein, mais, conseiller plus responsable, c'est Edgar Leblanc avec Smith Augustin. Comme troisième, il y a la question sur la sécurité sanitaire et alimentaire. Donc, sécurité sanitaire et alimentaire, c'est moi-même, Louis Gérald Gilles. Bon, d'abord, c'est d'abord Régine Abraham et Louis Gérald Gilles qui en charge de dossier SAO, qui gagne question santé et aussi question de la crise alimentaire. On est Régine, c'est un agronome. Donc, la question SAO, les gens pour le pencher sur YouTube ensemble avec moi. Ou disons là qui est important, même sous responsable question sanitaire, même si je suis responsable chantier sur la santé, ça ne veut pas dire que je suis obligé à goumer avec ministre. Pour mal derrière, ministre santé. Donc, c'est surtout le ministre de la santé, qui c'est moi qui t'a fait permettre yon moun dans le secteur ministre santé, qui c'est l'autre secteur qui baille ministre de la santé, hein? C'est pas ça, ça ne me regarde pas en tant que conseiller présidentiel. Tu dois gagner une franche collaboration. Il doit y avoir une franche collaboration et une collaboration dynamique. Elle dit que c'est moi qui t'a choisi au monde.